Au sommaire de cette édition lutte contre le coronavirus, les Tchadiens se mobilisent. Il est recommandé de respecter les règles d'hygiène. La mairie de N'Djamena monte la voie à la population. Le maire a lancé ce matin l'opération de désinfection des marchés de N'Djamena. Et puis, journée internationale de la forêt ce 21 mars. Pas d'activité commémorative pour cause de coronavirus. Mais les actions du gouvernement en matière de développement de la biodiversité sont à saluer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Comment se transmet le coronavirus et comment se fait la prise en charge d'un patient atteint de cette maladie? Docteur Oumaïma Mahamat Djarma est infectiologue et est avec nous sur ce plateau. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adou. Ok, nous allons donc, les téléspectateurs surtout, attendre vos réponses et nous vous donnons donc, prenons donc rendez-vous avec eux dans quelques minutes. D'accord. Merci. Pour combattre efficacement le Covid-19, la lutte doit être commune. Les mesures prises par le gouvernement sont pour l'instant le seul remède approprié pour éviter les risques liés à la contamination et à la panique. Malgré ces efforts, certaines personnes mal intentionnées, ayant pour seul but de créer la psychose au sein de la population, trouvent leur compte dans les réseaux sociaux. Ils ont à leur actif des publications mensongères pour semer la panique et le doute. Les faux relayeurs, les informations sur le coronavirus via Facebook, le sujet a inspiré notre reporter Amadia Yabas. Lutte contre le coronavirus, l'air est à la mobilisation générale pour vaincre l'ennemi invisible, dont un cas enregistré au Tchad, mais fort heureusement circonscrit. Le respect strict des règles d'hygiène et des mesures gouvernementales s'impose pour sauver des vies. Le mal est mondial et la lutte doit être accrue à tous les niveaux. Pour ce faire, la vigilance maximale doit guider notre quotidien afin d'éviter toute nouvelle introduction ou propagation de cette maladie mortelle. La répétition étant pédagogique, pour les cas précis de notre pays, jusqu'à nos jours, un seul cas de Covid-19 a été enregistré par le corps médical. Les patients de nationalité marocaine est pris en charge par le responsable sanitaire. Sa santé est hors du danger, affirment les sources médicales. La situation est sous contrôle. Il n'y a plus à paniquer. Cependant, tous les Tchadiens doivent adopter un comportement responsable puisque nous sommes tous responsables devant nos comportements et nos attitudes. Les mesures gouvernementales prises pour contrecarrer le mal doivent être suivies à la lettre. Mais force est de constater que malgré les mesures drastiques tendant à éviter tout risque, certaines personnes mal intentionnées investissent les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, pour se livrer à la désinformation et faire circuler des rumeurs. Quelle aberration! Car non seulement la désinformation zappe tout effort de communication, mais sème la panique au sein de la population. De toute évidence, la population tchadienne, sans distinction aucune, est appelée à suivre les vraies sources d'information. Seuls les médias, que sont les télévisions, les radios ou la presse écrite, et certains journaux en ligne légalement reconnus et qui vérifient leurs sources avant toute diffusion ou publication, sont crédibles. Ces internautes aux multiples facettes qui sèment la panique sont pires que le coronavirus. Ils doivent être traités comme tel. Bien que l'Internet soit un outil de communication indispensable, il faut être vigilant sur le caractère et le contenu de certaines informations. C'est à juste raison que la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, la HAMA, a rappelé aux organes de presse de prendre la plénitude de leurs responsabilités.
Amadia Yabas, lutte contre le coronavirus, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, par ailleurs président de la conférence épiscopale du Tchad, a fait une déclaration ce matin. Monseigneur Edmond Ditengar Godbe, tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour contrecarrer la propagation du Covid-19 au Tchad, recommande leur mise en application. À ces consignes, l'archevêque annonce d'autres spécifiques à l'Église catholique. Suivez. Nous donnons les orientations suivantes qui sont spécifiques à l'Église catholique car elles touchent au cœur de sa foi et nous demandons à tous les fidèles catholiques de les accueillir et de les appliquer strictement. La première Église est l'Église domestique, c'est-à-dire la famille. Les fidèles sont donc invités à s'organiser pour privilégier la prière en famille. Les célébrations publiques, à savoir la messe en semaine ou le dimanche, les célébrations pénitentielles, le chemin de croix, l'adoration du Saint-Sacrement, etc., sont suspendues. Cette mesure s'applique aussi à la semaine sainte, qui va du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Les prêtres s'organiseront dans chaque paroisse pour célébrer l'Eucharistie en forme privée. Il est interdit d'organiser des veillées de prière à domicile, veillées funèbres, ou à la paroisse, messe de requiem. La prière de l'absoute se fera au moment de la levée du corps à la morgue avec la permission des autorités sanitaires. La préparation et la célébration du sacrement du baptême prévu pour la fête de Pâques est suspendue. Les baptêmes peuvent être renvoyés à la Pentecôte ou à l'Assomption si la situation évolue positivement. Il en est de même pour les sacrements de confirmation et de mariage. Tous les rassemblements pastoraux diocésains ou paroissiaux, catéchèses, retraites, sorties, pèlerinages, assemblées générales de mouvement, réunions de CEB, camps d'enfants ou de jeunes, etc. sont suspendus. Cette situation pénalise de manière particulière les prêtres et les pauvres qui dépendent de la générosité des fidèles. Aussi, nous invitons les fidèles qui le peuvent à penser à eux selon leurs possibilités. Sachez également que le syndicat unifié des chauffeurs et conducteurs du Tchad, par la voix de son porte-parole, Abdel Wahab Adoum, s'engage à respecter les consignes de sécurité contre Covid-19 édictées par le gouvernement. Je vous propose de l'écouter. On est venu pour faire sensibiliser les chauffeurs pour que pour les corridors Tchad-Cameroun, là, les chauffeurs ils soient prudents avec uniquement les chauffeurs avec un chauffeur. Ils ne prennent pas de passagers. Ni notre, une femme ou un enfant, personne. Uniquement, les chauffeurs voyagent avec les motorbikes, seulement les chauffeurs. Et ça, on prie à Allah, on prie à Dieu pour que cette maladie-là, ça s'arrête sur la personne qui est venue seulement. Et ça ne se reproduit pas. Et on prend la précaution et pour qu'on prenne une mesure de sécurité. Et maintenant, on est en train de négocier avec le gouvernement même pour nous aider qu'on fasse un convoi et pour contrôler nos chauffeurs, pour que les maladies, là, ça s'arrête là. La teneur de ce communiqué du gouvernement en vue d'éviter des contacts étroits qui risqueraient de favoriser la chaîne de propagation de contamination du coronavirus. Le gouvernement de la République du Tchad renforce les mesures antérieures par d'autres relatives au transport urbain et interurbain sur l'ensemble du territoire national. À compter de ce jour, samedi 21 mars 2020, la circulation des bus et minibus destinés au transport des personnes est strictement interdite. Le transport en Amazon sur des motoconducteurs plus d'une personne est
formellement interdit. Les taxis et véhicules à usage personnel ne doivent en aucun cas dépasser 4 personnes à bord, y compris le conducteur. Le ministre en charge de la sécurité et celui des infrastructures sont tenus de faire appliquer strictement ces mesures par leurs services respectifs. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalsebe Paimi Debe. En attendant le renforcement de l'hôpital de Farch en capacité d'accueil suffisante et pour répondre au mieux aux sollicitations pressantes de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, l'hôtel Le Méridien est réquisitionné à compter de ce jour samedi 21 mars 2020 et ce pour 2 semaines renouvelables en vue d'accueillir les personnes identifiées par les services de la santé et de sécurité nécessitant des tests préalables du coronavirus. Le personnel de l'hôtel dans son ensemble bénéficiera de toutes les précautions sanitaires, techniques et matérielles pour accomplir valablement sa mission. Kalzebe Paimi Debe. Je l'annonçais en titre, le maire de la ville de N'Djamena, Salih Abdelaziz Daman, a lancé ce matin au marché central l'opération de désinfection et de pulvérisation des 4 marchés de la capitale. C'est dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mamadou Omar Moursal. 3 jours après l'enregistrement du premier cas du coronavirus au Tchad qui est circonscrit, les agents de l'assainissement et les sapeurs-pompiers de la mairie de N'Djamena, munis de leurs fumigateurs et pulvérisateurs, se sont mobilisés au marché central de N'Djamena pour nettoyer, pulvériser et désinfecter ces grands marchés. L'objectif est d'éviter toute propagation du coronavirus ou Covid-19. En cette matinée, le marché est désert. Les techniciens en charge de l'assainissement de la mairie s'activent pour mélanger les désinfectants et charger les fumigateurs et les pulvérisateurs. Après cette étape, le maire de la ville de N'Djamena, Salih Abdelaziz Daman, lance les opérations. Au lancement de l'opération d'assainissement de ces grands marchés de la capitale, le maire de la ville de N'Djamena fait le point. Chaque 3 jours, on va essayer de viriser le marché à Afia, le marché à Mille, le marché central et celui de Dembe. Chaque jour, nous allons programmer quand même un marché. On le traitera comme il le faut. En cette période pandémique, le maire de la cité capitale attire l'attention des commerçants véreux. Les frontières ne sont pas fermées pour les marchandises. Et j'attire l'attention de tous les commerçants de ne pas faire de flambées de prix au profit de cette maladie-là. Pour appuyer la mairie, les femmes commerçantes du dit marché multiplient des aumônes en guise de sacrifices pour que Dieu, le Tout-Puissant, épargne la population de la pandémie. Comment se transmet le coronavirus et comment se fait la prise en charge des patients qui sont atteints de cette maladie? C'est les grandes questions de ce soir. Je rappelle que nous avons sur ce plateau Dr Oumaïma Mahamat Djarman, médecin infectiologue. Une fois de plus, docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Adou. Vous avez suivi ce reportage, comme tous les autres téléspectateurs. Pensez-vous que désinfecter les marchés est une des solutions? Effectivement, parce que donc là, comme vous l'avez dit, il existe un cas confirmé au Tchad. Et donc, ce cas, il a eu des contacts avec d'autres cas. Et donc, pour l'instant, bon, toute l'équipe est en train de réunir tous ces cas. Et donc, ces cas vont être suivis pour une durée de 14 jours. Mm-hmm. Et puis, s'ils sont positifs, ils seront testés. Donc, s'il y a un cas, on ne sait pas ce qui est dans la ville, en fait. Et donc, effectivement, moi, je suis très contente de ces actions. Et je pense que le Tchad, dès le début, a pris vraiment des mesures drastiques contre le coronavirus, même avant qu'il y ait ce nouveau cas, et désinfecter les marchés et aussi répandre toutes ces habitudes d'hygiène, c'est une très bonne chose pour la population tchadienne. Ok, on revient à la question du soir. Comment se transmet le coronavirus? Alors, le coronavirus, il se transmet à travers des gouttelettes que la personne malade, il peut émettre lorsqu'il tousse, il éternue,
travers le nez, soit la bouche. Donc, ces gouttelettes, elles peuvent se déposer au niveau des objets qui entourent la personne. Donc, exemple simple. Si, par exemple, la personne qui est juste à côté de vous, il éternue, vous pouvez inhaler ces gouttelettes. Et s'il est infecté, bien, vous pouvez être infecté. Ou soit, généralement, comment ça se passe? Quand on éternue au niveau des mains. Après, nous touchons les objets. Ou soit, et la chose la plus typique, c'est qu'on ouvre les portes. La personne qui vient après, il vient, mais il touche la porte. Donc, si cette personne, la deuxième personne qui a touché cette porte, puis il amène sa main, il touche au niveau des yeux, au niveau du nez et au niveau de la bouche, cette personne pourrait être infectée. Mais il y a notre traditionnelle grippe, docteur. On éternue. Oui. Alors, c'est pour cela, la manière dont on éternue au niveau de la main, c'est pas la bonne manière. Donc, si nous devons éternuer, on faut qu'on s'éternue, on éternue, ou soit on tousse au niveau du pli du coude. Donc, ça fait partie des mesures que nous devrons aussi expliquer à la population. Et après, il est important de pérenniser ces mesures. Ok. Maintenant, s'il y a un cas, comment se fait donc la prise en charge de ce patient? Alors, donc la prise en charge, il y a la prise en charge du patient et puis il y a la prise en charge de son environnement. D'accord. Donc déjà, je rappelle que les signes cliniques du coronavirus, donc ce sont les signes d'un syndrome grippal, c'est-à-dire l'écoulement nasal, la toux, la fièvre, une irritation au niveau de la gorge, les éternuements, et ainsi de suite. Mais les cinq signes sont les signes les plus fréquents. Donc, si la personne réunit tous ces signes? Oui, alors, je vais finir. Donc, tous ces signes doivent survenir dans un contexte qui est bien défini. C'est-à-dire, cette personne, ou soit il vient d'une zone touchée par le coronavirus, ou soit un contact qui a été, une personne qui a été en contact avec une personne qui est confirmée pour le coronavirus. C'est pour cela qu'il est important, dès qu'il y a un cas, il faut identifier tous les contacts qui ont été en contact avec le patient, avec la personne confirmée, les identifier et les isoler pendant 14 jours et les surveiller afin de rompre la chaîne de transmission. Ok, mais il y a ce constat qu'on a fait, le coronavirus se transmet ou se propage très rapidement. C'est dû à quoi? Alors justement, ça c'est dû par sa mode de contamination, donc c'est par le voie, par gouttelette aérienne, et aussi par la contamination d'une manière manuportée, c'est-à-dire cette contamination, elle peut se faire de main en main. C'est pour cela, maintenant en période de pandémie, il est fortement déconseillé de se salier par la main. Oui. Ben, au Tchad il fait chaud, on dit que dans les pays tempérés, la contamination ne se fait pas rapidement. Alors, pour l'instant, les données qui disposent, c'est pas vrai, parce que le virus, il peut se transmettre dans les régions chaudes et humides. Donc, ça passe, malgré la chaleur. Oui, malgré la chaleur, s'il y a une personne qui est infectée, ben, la personne, il peut transmettre à des personnes qui sont à côté de lui et ainsi de suite. Ok, je reviens encore sur cette question. Y a-t-il un remède contre coronavirus? Alors, pour l'instant, il n'existe pas un traitement efficace validé pour le coronavirus. Il y a des études qui ont utilisé des médicaments qu'on les connaît très bien et qu'on utilise déjà pour d'autres pathologies. Mais ces médicaments... Parmi lesquels la chloroquine? Oui, parmi lesquels la chloroquine. Et la chloroquine, elle était efficace, mais au laboratoire. C'est-à-dire, lors des expériences, au laboratoire, la chloroquine est efficace. Donc, maintenant, ils sont en train d'utiliser la chloroquine dans un essai clinique, mais nous attendons les informations complémentaires afin de valider ou non le protocole. Donc, ok, docteur, les enfants, est-ce qu'ils sont aussi... ils peuvent aussi attraper la maladie? Oui, alors les enfants, ils peuvent aussi attraper la maladie. Le coronavirus, ben, il touche toutes les régions, toutes les tranches d'âge, allant des enfants jusqu'aux personnes âgées. Malheureusement, il peut se compliquer, il peut devenir fatal chez les personnes âgées ou soit les personnes qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire les personnes qui ont des pathologies chroniques. Est-ce que la vulnérabilité est la même chez les personnes âgées et les enfants?
Alors les enfants, justement, ils ont un bon système immunitaire. Donc eux, ils peuvent lutter contre le virus. Donc s'ils contractent le coronavirus, bon, ils vont présenter un syndrome grippal et qui peut passer. Mais les personnes âgées, à cause de l'âge, ou soit les personnes qui présentent des comorbidités, à cause de ces comorbidités, ben, ils ont un système immunitaire qui est faible. Et donc, du coup, c'est chez ces personnes-là, le coronavirus peut se compliquer et malheureusement être fatal. Les conseils d'un infectiologue que vous êtes? Alors, le conseil pour la population, la première chose, c'est l'hygiène des mains. Il faut insister, on insiste à travers les vidéos, à travers les spots. Il faut pratiquer l'hygiène de mains, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains, ou soit avec l'eau ou le savon, c'est suffisant. Ou soit c'est frictionné avec le gel hydroalcoolique. Il existe des vidéos qui sont diffusées d'une manière très large qui montrent comment frictionner avec l'alcool ou soit comment se laver efficacement les mains. Si on veut tousser, éternuer, on le fait pas au niveau de la main, on le fait plutôt au niveau du pli du coude. Mais on évite de se saluer les mains. Si une personne tousse ou soit il éternue, ben, il faut qu'il porte un masque. Et là, vraiment, j'insiste, parce que je vois les gens porter de masques dans la ville. Et déjà, le masque qu'ils portent ne protège pas. Ce qui est curieux, même dans les véhicules, les gens portent le masque. Ben oui, justement. Alors que quand on est dans le véhicule, ben, on a l'aération, bon voilà. Mais le masque, c'est les personnes qui toussent, là, ils peuvent porter le masque. Ou soit le personnel médical, parce que ce personnel, il est tout le temps exposé et il est en contact permanent avec le patient. Il faut aussi garder une distance de 1 mètre. Pourquoi on dit 1 mètre? Parce que justement, quand on éternue, bon, les éternuements, ils peuvent aller jusqu'à 1 mètre. Et c'est pour cela que le gouvernement déconseille les regroupements et ainsi de suite. Parce que la clé pour la lutte contre le Covid, c'est la rupture de la chaîne de transmission. Vraiment, si on rompt la chaîne de transmission, ben, on peut vaincre cette maladie. Ça, c'est la première clé. Et pour ça, et suivi des règles d'hygiène. Après, il faut aussi ne pas céder à la panique. On peut guérir, on guérit du coronavirus. Plus de 80% des patients infectés par le coronavirus, ils présentent quelle forme bénigne, et puis ils guérissent du coronavirus. Sauf un pourcentage qui est très infime, qui peuvent malheureusement faire la forme grave à cause de leur système immunitaire. Et puis, il faut, ce que je demande aussi à la population, de s'informer avec les sources très fiables. Éviter les fake news. Et puis, il y a un numéro offert qui est disponible, c'est le 1313. Donc, l'équipe qui gère la crise, ils sont disponibles 24 heures sur 24, tous les jours, afin de répondre aux questions. Et si une personne qui est mal, qui présente des signes de rhume, parce que vraiment c'est le rhume, mais dans un contexte bien défini, c'est-à-dire il vient des zones touchées par le coronavirus ou il était en contact avec une personne venant d'un pays touché par le coronavirus ou il était en contact avec une personne confirmée pour le coronavirus. Ben, cette personne-là, il peut contacter le 1313 et puis on va lui expliquer les procédures à suivre. Merci docteur pour ces conseils. Je vous remercie. Et on espère vous retrouver très bientôt sur ce plateau, surtout pendant cette période. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Merci. Le mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens s'engage également dans la lutte contre le coronavirus. Les responsables de ce parti ont opté pour une distribution des fiches informatives à la population du 7e arrondissement. On en parle avec Aman Garasta. Le coronavirus ou Covid-19 est devenu une pandémie mondiale et son ampleur devient de plus en plus inquiétante. Ces fléaux continuent toujours à se propager au monde. Le Tchad n'est pas épargné. Ce dernier a notifié déjà un cas de coronavirus selon les sources gouvernementales. Prévenir, faut mieux que guérir. Suite aux mesures de prévention prises par le gouvernement tchadien, le mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens en Abergé, merci, sensibilise la population de la commune du 7e arrondissement contre le coronavirus et ses voies de transmission. Des fiches, des sensibilisations et des guides de l'Organisation mondiale de la santé fournissant des renseignements nécessaires sont distribués. 1000 personnes, quand la personne prend, il rentre en lisant déjà, il a au moins autour de lui 2 ou 3 personnes. Et l'information passe plus que d'être au bureau à l'ombre.
et nous sommes des jeunes et nous sommes près de la population. L'action du parti Merci est vivement appréciée par les habitants de cette commune. Ces mesures mises sur pied là, ce ne sont que ces mesures qui peuvent, n'est-ce pas, nous amener à éviter ou bien du moins réduire le risque. La majorité de ce public n'est pas informé de ces précautions. Si aujourd'hui vous êtes en train de faire ce travail, c'est déjà un truc louable. Selon les techniciens sanitaires, le coronavirus est transmis par des personnes porteuses du virus. La transmission s'effectue par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsque le malade tousse. L'on peut aussi contracter la maladie si on touche les objets manipulés par le porteur du virus. En raison des menaces que représente le coronavirus et tenant compte des mesures prises par le gouvernement pour le juguler, le ministère des Finances et du Budget et l'Association professionnelle des établissements de crédit, réunis ce vendredi 20 mars 2020, porte à la connaissance des salariés de l'État et du secteur privé que les dispositions ci après sont arrêtées pour la paie de salaire du mois de mars 2020. Pour éviter les attroupements, les accès aux guichets et distributeurs automatiques se feront par quota déterminé par chaque banque suivant la taille de l'agence ou les dimensions de l'abri du distributeur. À l'entrée de l'agence ou du distributeur, les clients, tout en respectant les règles d'espacement et d'écart minimum entre deux personnes à observer, devront se soumettre au contrôle effectué par un agent sanitaire positionné à cet effet, puis se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie avec les produits mis à leur disposition. Des agents de sécurité et de santé seront placés devant les agences et les distributeurs pour veiller à l'observation de ces mesures. Le ministère des Finances et du Budget et l'Association professionnelle des établissements de crédit en appellent à l'esprit civique de toute personne sollicitant les services du système bancaire pour le respect de ces dispositions dans l'intérêt de tous, fait en Djamena. Le 20 mars 2020, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin. Le comité départemental de la Croix-Rouge du 5e arrondissement a lancé une campagne de sensibilisation de la population sur les règles d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. Regardez. Amener la population de la commune du 5e arrondissement à observer les règles d'hygiène, telle est la préoccupation du comité départemental de la Croix-Rouge de la dite commune. Le président du comité départemental, Mamar Chérif, invite les volontaires de sensibiliser largement la population afin d'éviter toute contagion. Le maire du 5e arrondissement salue l'œuvre du comité départemental de la Croix-Rouge du 5e arrondissement et demande à ses administrés de changer de comportement. Je demande à la population du 5e arrondissement de faire très attention. Le gouvernement a pris sa décision, mais il faut qu'on l'applique. Il faut qu'on change nos comportements d'avant. Il faut que, à chaque fois, vous lavez vos mains. Il faut qu'on passe de porte en porte pour sensibiliser les personnes qui ne sont pas sur place pour voir la télé. Donc c'est pour cela que la Croix-Rouge se livrait à faire cette sensibilisation. Et nous, à la commune, on ne va pas laisser la population à seule. Ce problème, ce n'est pas un problème du gouvernement, un problème de la famille, un problème de nos enfants. Les volontaires de la Croix-Rouge du comité départemental du 5e arrondissement se sont répartis en groupes pour passer dans les ménages, expliquer de vive voix les bienfaits de lavage de mains. Déjà hier, les responsables de la mairie du 5e arrondissement ont réuni les différents délégués des quartiers, les chefs de carré, les représentants des associations de la société civile et les commerçants pour solliciter leur implication dans la sensibilisation au respect des règles d'hygiène. On en sait plus avec Moussa Mbodou Abdoulaye. Pour une meilleure prévention et une lutte efficace contre une éventuelle contamination ou propagation de coronavirus, la commune du 5e arrondissement sensibilise les délégués des quartiers, les chefs de carré, les organisations de la société civile et le religieux. Une sensibilisation axée sur le respect strict des mesures d'hygiène. Il s'agit notamment de se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon, d'utiliser le liquide hydroalcoolique. Il faut une distance d'au moins 1 mètre, se couvrir le nez et la bouche lorsqu'on tousse ou utiliser le pli du coude.
les leaders d'opinion sont appelés à mener des activités d'information et de sensibilisation auprès de toutes les couches. Je voudrais lancer un appel à l'endroit des délégués des quartiers, les chefs des carrés, ainsi qu'aux leaders des organisations de la société civile de véhiculer davantage le message de sensibilisation à la population afin de contrecarrer cette maladie. Face à cette pandémie, Fatimé Ahmad Mohamed exhorte ses administrés à la vigilance et au respect des mesures prises par le gouvernement. Le président de la coalition Fils du Tchad pour la construction et le développement, Faisal Hissène Hassan Abakar, lors d'un point de presse, soutient le gouvernement pour les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 extrême. La coalition Fils du Tchad invite la population en général, l'organisation religieuse, invite également la population en provenance des pays touchés par les pandémies d'aller volontairement se faire dépister, soit appeler directement le numéro vert 13-13 pour une prise en charge immédiate. Les tenanciers de commerce en gros et détail, au respect strict des mesures prises par le gouvernement à travers la cellule de veille et de sécurité sanitaire, recommande à la population l'usage des lignes directrices dictées par l'OMS pour la prévention à l'infection Covid-19, à savoir les règles alimentaires, hygiène et d'assainissement. Invite également la population en provenance des pays touchés par les pandémies d'aller volontairement se faire dépister, soit appeler directement le numéro vert 13-13 pour une prise en charge immédiate. Convient toutes les couches socio-économiques et politiques, et en particulier l'organisation de la société civile, à s'investir dans la lutte contre le virus, dans la lutte contre ce virus, car celui-ci n'épargne personne. Le maire de la commune du 4e arrondissement appelle lui également la population de sa circonscription au respect strict des consignes données par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Écoutez Haroun Ramat. Nous demandons aux conseillers municipaux, aux délégués des quartiers, aux chefs de carré, aux délégués des marchés, aux comités de développement, aux associations de la société civile et aux autorités religieuses, et ainsi qu'aux autorités traditionnelles, de mener une campagne de sensibilisation de proximité à la population des quatre arrondissements pour une meilleure prise de conscience. Et vous demandons de respecter les mesures d'hygiène pour éviter les risques de contamination, à savoir avoir toujours sur soi un petit flacon de solution hydroalcoolisée désinfectée, se laver toujours les mains avec du savon et de l'eau, se couvrir la bouche et le nez avec un masque, éviter le partage de verres ou d'ustensiles avec les personnes contaminées par le coronavirus, éviter les accolades au moins 1 mètre de distance entre les uns et les autres. Ces mesures doivent être respectées dans le strict sens. Nous attirons l'attention des commerçants des différents marchés de ne pas augmenter les prix des denrées alimentaires. Une équipe de contrôle sera mise sur place dans les prochains jours pour contrôler les prix. Il est demandé à nos forces de défense et de sécurité, à la population, de nous aider dans les mesures de possible pour l'application des mesures. Le coordonnateur national de l'Association tchadienne pour l'unité et la République, Hassan Mohamed Halou, s'est aussi exprimé lors d'un point de presse sur les méthodes de prévention contre le Covid-19. Extrait. Le message de cette épidémie qui vient de nous parvenir, ces messages par le gouvernement. En leur tête, Son Excellence Monsieur le Président, le message qui était lu par le ministre d'État secrétaire général du gouvernement, Kalzé Pepaïmi Debe, suivi par le ministre de la Santé publique et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaïssé. Bien reçu. L'association
demande aux Tchadiens d'observer scrupuleusement les mesures d'hygiène données par le ministre d'État et le ministre de la Santé et le ministre de la Communication, suivi les consignes données par le gouvernement. Le regroupement plus de 50 personnes sont interdits. Le regroupement à la mosquée, le regroupement à l'église, le regroupement au cabaret et le regroupement dans la boîte de nuit et ensuite est interdit pour des raisons de prévention que chaque population aussi doit laver sa main avec du savon. On dit avec du savon, c'est pas avec de l'eau. La deuxième mesure que nous, les associations, nous sommes déjà prêts. L'association tchadienne pour l'unité de la République est déjà prête et faire face à ces situations. Lutte contre le Covid-19, que faire en cas de doute? Quelle attitude faut-il adopter? Et comment se fera la prise en charge sanitaire? Bien qu'on a posé cette question à notre invité de ce soir, écoutons une fois de plus un infectiologue. Cas suspect, au Tchad, vous allez appeler un numéro qu'on appelle le numéro vert, c'est le 13-13. Il y a une équipe de coordination de prise en charge qui est mise en place par le ministère qui viendront chercher le cas suspect. Et ces cas suspects, ils vont l'acheminer au centre, à un hôpital comme l'hôpital provincial, le Farcha, qui est retenu pour la prise en charge. Ils vont procéder à un interrogatoire pour y tester et confirmer ou informer le cas. Si c'est confirmé dans ce cas, maintenant, il faut aller rechercher tous les contacts de ces patients confirmés pour pouvoir les mettre en quarantaine, pour les confiner en fait. Ceux qui vont présenter les signes seront testés et ceux qui vont rester pendant 14 jours en confinement. Pour le moment, on dit 14 jours, mais peut-être ça va évoluer dans le temps. Donc après 14 jours, ceux qui ne présentent aucun signe vont sortir. Là aussi, avec une surveillance régulière, ceux qui sont confinés seront suivis régulièrement. Maintenant, il y a d'autres qui sont en contact, c'est des contacts de contacts également. C'est là, ils seront surveillés à domicile tous les jours avec une équipe de suivi qui les suit. Maintenant, en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique, le traitement est purement symptomatique pour le moment. La Ligue des diplômés tchadiens d'Égypte sensibilise la population sur le danger que représente le coronavirus. Et c'était un reportage de Idriss Oumar Idriss. Un simple geste suffit pour barrer la route au coronavirus. Cette sensibilisation est menée par la Ligue des diplômés tchadiens de l'Égypte à l'intention de la population. Après la séance de lavage des mains, une conférence débat est animée pour édifier l'assistance sur le mode de transmission et la prévention. Notre souci fondamental ici, comment prendre les plus possibles conscience pour réussir à éviter cette propagation, à atteindre le plus optimal de cet objectif souhaité? La Ligue est honorée pour fournir toutes les informations et données possibles sur cette épidémie. Pour le panel, composé notamment des médecins, la propagation de ces virus se fait très vite. Le deuxième axe, c'est le renforcement de la surveillance de la maladie, autant au niveau des frontières qu'à l'intérieur du pays. Le troisième axe stratégique, c'est la mobilisation d'un laboratoire mobile. En ce moment, sans vous... Par rapport à la mesure portant fermeture des lieux de culte, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques exhorte les fidèles à leur strict respect. Le 22 mars de chaque année, la communauté internationale et le Tchad avec célèbrent la journée de l'eau. À la veille de cet événement, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Ibrahim Mahamat Jamaladine, a fait une déclaration, que je vous propose de suivre un extrait. Cette journée a pour objectif principal d'amener nos États à des actions de sensibilisation du public
afin de conscientiser les citoyens sur l'importance de l'eau et la nécessité de la protéger à travers une gestion rationnelle et durable, surtout dans un contexte actuel fortement marqué par les changements climatiques. En effet, le thème choisi cette année qui s'intitule « L'eau et le changement climatique » est d'autant plus significatif par sa pertinence et son actualité, car il met en exergue le lien étroit d'interaction qui existe entre cette ressource vitale et le climat. L'eau, faut-il le rappeler, est un droit fondamental. Le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme reconnus comme tels par les Nations Unies depuis 2010. Conscient de cela, et en vue d'accroître la résilience du pays, le gouvernement, sur la clairvoyante impulsion de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a déployé des efforts considérables pour porter le taux d'accès des populations à l'eau potable à 61,85% en 2019. Tout ceci en parfaite adéquation avec l'objectif de développement durable numéro 6 et conformément à l'axe 4 du Programme national de développement PND 2017-2021 qui vise l'amélioration de la qualité de vie de la population tchadienne. Je saisis l'opportunité que m'offre cette journée mondiale de l'eau pour vanter les excellentes relations de coopération qui nous lient avec les partenaires techniques et financiers qui ne cessent d'accompagner le gouvernement dans sa politique de gestion durable de ses ressources en eau. Qu'il trouve ici, au nom du gouvernement de la République du Tchad, l'expression de ma profonde gratitude. Pour finir, je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, réitérer l'appel et la nécessité de ne point céder à la panique et de respecter scrupuleusement toutes les mesures gouvernementales préventives prises pour protéger la population tchadienne contre le coronavirus. On vous annonçait dans nos éditions antérieures que ce 21 mars, c'est la journée internationale des forêts. Cette année, le thème choisi est les forêts et la biodiversité au niveau national. Des actions dans ce sens sont initiées. Des actions à saluer, nous dit Noubadoumba Italomadi. Le Tchad, situé au cœur de l'Afrique, fait de la protection des forêts une activité phare. La Semaine nationale de l'arbre et la ceinture verte sont à saluer. Grâce à ces activités, on assiste aujourd'hui à la restauration et à la régénération des ressources naturelles. Les forêts et les arbres, de par leur capacité à stocker le carbone, contribuent à atténuer les effets du changement climatique dans les zones urbaines et en périphérie. Les arbres adoucissent les conditions climatiques locales et contribuent ainsi à réduire de 20 à 50% la consommation d'énergie destinée au chauffage. En plantant des arbres à des endroits stratégiques, à des zones urbaines, on rafraîchit l'air jusqu'à 8 degrés en moins, ce qui se traduit par une réduction de 30% des besoins en climatisation. En ville, les arbres constituent d'excellents filtres d'air puisqu'ils éliminent les particules fines et les polluants nocifs présents dans l'atmosphère. Les arbres atténuent la pollution sonore en abritant les habitations du bruit provenant des routes et des zones industrielles qui les entourent grâce aux fruits, aux feuilles et aux insectes qu'elles trouvent dans les arbres urbains. Les populations locales sont en mesure de produire des aliments et des médicaments, soit pour leur consommation personnelle, soit pour vendre afin de se procurer des revenus. Les forêts dans les zones urbaines et en périphérie contribuent à filtrer et réguler l'eau, permettant ainsi à des centaines de millions de personnes d'avoir accès à une eau douce de qualité. Les forêts protègent également les bassins versants et préviennent les inondations du fait que les arbres stockent l'eau dans leur partie aérienne et dans le sol. La Journée mondiale des forêts est une occasion de célébrer la forêt, l'arbre et le bois, dont les services multiples en font une ressource essentielle pour le développement durable. La forêt est partagée par de multiples acteurs pour de multiples usages. Elle a une fonction économique importante, une fonction sociale majeure, loisirs, culture, sport, art, ainsi qu'une fonction écologique essentielle, production d'oxygène, épuration de l'air et de l'eau, stabilisation des sols, séquestration du CO2 et abri d'une biodiversité très riche.
Sachez que le sultan de Darwadaï, Sa Majesté Shérif Abdel Hadi Mahdi, a été intronisé ce 21 mars à Abéché. Retour sur la cérémonie avec Ali Ibrahim Suleiman. Le sultan du Darwadaï al-Abbasid, Sa Majesté Shérif Abdel Hadi Mahdi, est officiellement intronisé 25e roi ce samedi 21 mars par le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou. Né en 1968 à Abundurua dans le canton Bourtaï, Sa Majesté Shérif Abdel Hadi Mahdi, chevalier de l'ordre national du Tchad, est un historien hors pair. Les généalogies de la famille Abbasid en est son premier ouvrage illuminateur du royaume. Ahmad Mohamed Bachir nous parle de l'empire du Wadaï. Aujourd'hui, Abéché est devenue une ville cosmopolite, enthousiaste et hospitalière dans tous les sens. Deux grands événements avaient secoué cet empire historique et légendaire, lui causant plusieurs des événements douloureux et indescriptible. Le premier, sous le joug colonial, et le second, ce sont les conflits intercommunautaires. Il a fallu cependant l'intervention personnelle, je dis bien personnelle, de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour que cette grande province retrouve son calme aujourd'hui, sa sécurité et sa quiétude. Pour les différentes commissions de la cérémonie, le sultanat abbasside a toujours renoué de fortes relations commerciales avec ses voisins. Le royaume du Wadaï se réfère aujourd'hui à lui-même en tant qu'abbasside et trouve ses racines dans la plupart des communautés tchadiennes et étrangères. En tant que dignitaire traditionnel, le sultan Shérif D porte le titre d'Amir al-Mouminin, qui signifie « commandeur des croyants » en arabe. Siècle après siècle, 25 générations royales se sont succédées. Shérif Abdel Hadi Mahdi succède à ce trône à Mohamed Ourada D, déchu de ses fonctions royales le 29 mai dernier. Un royaume historique et culturel, certes, mais aussi un royaume religieux par excellence qui a vu le jour un matin des années 1635. Le royaume du Wadaï est fondé par le célèbre roi au parcours exceptionnel Abdelkarim Djamé, descendant de la famille Al-Abbas Abdel Muttalib, l'oncle du prophète Mohammed, bénédiction et salut soit sur lui. Le sultanat du Wadaï avait pour première capitale la ville de Ouara, constituant ainsi un site exceptionnel aux vestiges de briques cuites d'origine impressionnante. La ville d'Abéché est bâtie sur un plateau concave entouré de montagnes qui illustrent une architecture extraordinaire. Le royaume du Wadaï, autrefois considéré comme entité politique indépendante, est aujourd'hui une chefferie traditionnelle en parfaite relation avec les autorités administratives du pays. Il est large de 970 000 km², se situant ainsi à l'est du pays, avec le Wadi Fira, le Batha, le Sila et le Darfour comme provinces limitrophes. À Abéché, les quartiers célèbres sont le Chigal Fakhara, Amsiogo, Djarmaye, Agat Rachid, Momie et Djatinié. Les natifs d'Abéché qui ont écrit en lettres d'or depuis des siècles l'histoire abbasside sont, entre autres, Djarma Outman, Mohamed Saleh Doud Moura, Adoum Asil, Oulesh Aouda, Adam Barka, Alhaj Ahmad Pekos, Manda Amchaloufa, Hissène Mahmoud et Chachati Djabra. Le mot Wadaï tire sa source du mot Wadou, qui signifie abolition en arabe. Désormais, Sa Majesté, le sultan Shérif D, est appelé à respecter et faire respecter les lois et règlements en vigueur. Par décret 11-35, /2019, du 6 août 2019, Shérif Abdel Hadi Mahdi, vous êtes
À partir de cet instant, sultan du Darwadaï. À ce titre, vous incarnez l'autorité traditionnelle et coutumière dans la limite de votre ressort territorial. L'autorité traditionnelle est tenue par le respect du principe hiérarchique et la loyauté envers ses supérieurs qui, en retour, doivent la traiter avec diligence. Vous devez contribuer à l'éducation civique de vos administrés en leur inculquant le respect de l'autorité de l'État, des lois et des règlements de la République du Tchad. L'installation de Sa Majesté le Roi Chérif II est l'occasion de jouissance et de gaieté. Symbolisant les valeurs des traditions ancestrales, les délégations venues pour la circonstance ont remis des cadeaux de valeur au royaume du Wadaï Abbasite. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.